Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les bras chargés de jouets, de vêtements et de vivres, les membres de l'amicale hirondelle des anciens élèves du CEUGE Notre-Dame des Apôtres se sont rendus à l'Orphelinat de l'Immaculée Conception de Zobokwe jeudi 26 décembre 2019. Cette action annonce la célébration de la 4e édition du printemps de la dite amicale qui aura lieu samedi 28 décembre 2019. Guérit TV Monde était de la partie. Imaginons. Et voilà, c'est cette ambiance qui a prévalu ce jeudi 26 décembre 2019 dans l'enceinte de l'orphelinat de l'Immaculée Conception de Zobokwe. C'est à l'arrivée de l'amicale hirondelle des anciens élèves du Collège d'enseignement général Notre-Dame des Apôtres. On a pensé à vous aujourd'hui. On a pensé fêter autrement Noël avec les enfants qui sont ici, les orphelins de père et de mère. Nous sommes juste venus vous présenter quelques cadeaux que nous avons amenés à nos enfants et pour vous soutenir également. Et une façon de vous dire, vous ne serez plus délaissés. On dit souvent, nul n'est heureux tout seul. Nous avons voulu profiter de cette occasion, profiter de l'ambiance des fêtes pour semer un peu de joie dans les cœurs des enfants. Donc nous sommes venus avec le cœur plein de joie, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, à semer dans ce nid. Nous sommes venus avec un peu de tout. Ce n'est pas beaucoup, mais nous donnons beaucoup d'amour. Et vraiment, ce que nous sommes venus voir ici nous égaye. À partir de ce jour, nous prenons l'engagement de ne plus jamais vous laisser seul. À son tour, le président de l'association retrace ici la ligne de conduite de l'amicale hirondelle des anciens élèves du CEG Notre-Dame des Apôtres. Nous nous sommes dit dans notre plan d'activité que nous allons nous référer à l'objet social de notre association, c'est-à-dire mener des actions caritatives, faire des actions allant dans le sens de la solidarité, de l'entraide et de la convivialité. Nous avons pour cette fin d'année, choisi ce centre pour pouvoir semer la joie dans le cœur des enfants. Les enfants orphelins, orphelins de père et de mère, orphelins de mère ou de père, c'est des enfants sans moyens qui sont à la charge de ce centre que nous avons découvert et c'est pour ça que nous avons au niveau de l'association mener une activité qu'on a appelée opération vide-placard. Un secours semblable à celui d'en haut selon les bénéficiaires qui s'expriment malgré l'émotion. Un bonheur que je n'oublierai jamais. Et vous venez de m'encourager aussi. Moi qui me disais, Seigneur, me voici toute seule pour cette tâche. Et voilà qu'aujourd'hui je suis comblée. J'ai la joie au cœur. Merci, merci pour la joie que vous nous donnez dans cette maison. Surtout pour ces petits anges. Le Seigneur ne vous oubliera jamais. Amen. Je dis merci à tous les papas et à tous les mamans qui sont venus nous voir. En plus des différents dons, une enveloppe financière de 50 000 francs CFA est aussi offerte aux usagers de cet orphelinat par l'amicale hirondelle des anciens élèves du Collège d'enseignement général Notre-Dame des Apôtres, qui est aussi présente, faut-il le rappeler, dans d'autres pays comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, la France, le Canada, également aux États-Unis.